Bonjour à tous. Je connais pas mal d'entre vous, donc c'est déjà un plaisir d'être là. C'est jamais facile d'intervenir devant autant de personnes. Je suis déjà intervenu cette année à Saint-Quentin. Ceux qui étaient déjà là aujourd'hui, ça va être un peu différent, même si on va retrouver forcément des choses. Je suis déjà très content d'intervenir sur des thèmes qui, je pense, il y a quelques années, auraient été choquants pour certains. Je pense que c'est une démarche que notamment Fabien a initiée depuis quelques années sur les Hauts-de-France. Mais je pense que surtout dans les clubs aujourd'hui, c'est des choses qui se développent. Je parlais autour de la prépa mentale, mais je parle plus de... J'aime pas trop parler de préparation mentale parce que ça, c'est très flou, mais par contre, le projet pédagogique des clubs évolue. C'est super. Ce thème, il est très spécifique aujourd'hui à l'attention. Il sera fortement inspiré de... J'aime bien donner des sources pour que les gens, qui s'intéressent, pourront aller creuser derrière. Et cette intervention, elle est beaucoup basée sur les travaux de Jean-Philippe Lachaud, qui est quelqu'un qui a créé un programme dans les écoles autour de l'attention. C'est le programme ATOL, attention à l'école. Donc voilà, mon intervention, elle est beaucoup inspirée de ce mec-là. Et mon idée, c'est de transférer son travail en mode basket, et en mode en formation d'entraîneur, en formation du joueur. Mes intentions, c'est, comme l'a dit Fabien, c'est d'éveiller des choses. Il y en a certains qui vont, et on parlera d'attention, qui ont déjà switché sur ce que je suis en train de dire, qui sont déjà ailleurs. Il y en a d'autres qui vont accrocher. Mais si je peux semer des graines, ce sera très bien. Et c'est mon unique objectif aujourd'hui. Vous êtes à peu près 150. Ça veut dire que potentiellement, avec mon intervention, je pourrais toucher 1500. Enfin, je pourrais accéder à 150 joueurs. D'accord, si on dit que vous avez 10 joueurs. D'accord, donc mon idée, c'est aussi ça, c'est de se dire. À travers vous, il y a aussi plein de gamins sur lesquels on peut travailler. Je vous invite à observer votre fonctionnement individuel sur un thème autour de l'attention. Il y a mon téléphone qui vibre, il y a du bruit là-bas, j'ai envie de répondre à ce truc-là. Voilà. On enchaîne sur une petite expérience. Une action, et je pense qu'avec nos joueurs, c'est un mot qu'on doit être capable d'utiliser quand on parle de concentration, et je ferai le lien tout à l'heure entre attention et concentration, mais poser son attention, ça c'est quelque chose qui doit être important dans notre PEDA, quand vous avez un contenu à passer, de transmettre aux gamins cette notion de poser son attention, et je vous donnerai derrière des outils. Je pense qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur de nos pratiques, j'y reviendrai, on est avec une génération qui est différente,
qui évolue très vite à travers tous les réseaux, tout le, l'aspect numérique de la société. Donc je pense que mon idée aussi, c'est de combattre des idées, des phrases comme « concentre-toi » et de combattre la deuxième phrase, c'est « ah, les nouvelles générations, on ne peut rien en faire ». Et je pense qu'on a des outils aujourd'hui pour s'adapter à eux, pour trouver d'autres ressources. Alors ça demande du travail, mais ce travail autour de l'attention, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, est capital si on veut les faire avancer et transmettre notre contenu basket. Apprendre à être attentif, c'est d'abord apprendre à poser son attention sur les perceptions les plus adaptées à ce qu'on cherche à réaliser et à réaliser là tout le temps nécessaire et juste le temps nécessaire. Qu'on soit bien clair, aujourd'hui, c'est un travail. C'est qu'un gamin, il se concentre et on doit lui donner des outils pour se concentrer et c'est un travail qu'on va réaliser avec lui, que lui va réaliser en tout cas. Et la capacité d'attention, on peut largement progresser. Et quand on parle d'entraînabilité, pour moi c'est ça, c'est ta capacité à savoir sur quoi se concentrer et à maintenir cette attention-là. Et ça, c'est un enjeu, ça doit être un gros enjeu quand on coach. Et donc, pour faire le lien avec le fil rouge de ce cycle, sur lequel avec les gamins, on va leur en parler pendant 3 jours, cette question de l'intensité, et bien l'intensité mentale, c'est aussi ça, c'est la capacité à maintenir son attention. Alors qu'on a plein de stimulus autour de nous, que vous connaissez et sur lesquels on va revenir après. Quand je parle, je vais passer vite fait là-dessus, la génération Z, donc ils ont besoin d'autonomie, ça c'est pareil. Si ça vous intéresse, je peux vous donner plein de sources pour lesquelles vous pouvez creuser. Cette question des réseaux sociaux, pour moi, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de technique, de gestes techniques avec un gamin, ils connaissent plus de choses que vous, sûrement, par rapport un débat qu'on me l'a montré, on me l'a appris, mais maintenant les gamins ils savent ce que c'est, on n'a pas besoin de leur expliquer 10 minutes ou de leur montrer, ils connaissent. Et ça change. La démarche pédagogique, elle change beaucoup aussi par rapport à ça. Collaborer, travailler en équipe, ça c'est des choses qu'ils attendent. Attendre des réponses immédiates à leurs problèmes, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'un entraîneur, et avec les BF qui vont arriver, si vous vous intéressez au truc, il y a vraiment une révolution, un virage incroyable par rapport aux méthodes pédagogiques. Avant, on était beaucoup sur le contenu, et avec les BF, on va basculer beaucoup sur la PEDA et sur j'ai un contenu, mais si je ne suis pas capable de le transmettre, si je n'ai pas d'outils pour transmettre ce contenu-là, alors il ne vaut pas grand-chose. Donc, attendre des réponses immédiates à leurs problèmes, ça, on doit avoir des billes sur la gestion de la frustration des gamins, par exemple. Ils sont vite frustrés, donc qu'est-ce que moi je mets en place pour gérer cette frustration-là ? Alors voilà, c'est tout ce travail autour des nouvelles générations, mais aussi et surtout, pour faire le lien avec mon intervention, cette capacité d'attention très courte. Pierre-Olivier Croizat, qui gère le BF, dit qu'un gamin il a besoin de 4 informations quand il démarre un exercice. D'accord ? Où il doit être, où il doit aller, la rotation, et la quatrième, je l'ai. Les 4 phases de l'apprentissage et le coût attentionnel. Alors, ça c'est pareil, c'est un peu théorique, je ne vais pas rester 10 minutes parce que je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus. Mais en gros, l'idée c'est sur l'apprentissage dans les bacs. On va prendre cet exemple-là. Le gamin, je ne sais pas que je ne sais pas. Ça veut dire que. Donc, ça c'est inspiré de Maslow si vous intéressez. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'a jamais vu un les bacs de sa vie, il ne sait pas ce que c'est. Donc en termes de coût attentionnel, ça lui coûte 0 parce qu'il ne sait pas que ça existe. Derrière, vous allez lui montrer. D'accord ? Vous allez lui expliquer ce que c'est qu'un EVAC. Donc là, on est dans la phase où je sais que je ne sais pas faire. Donc j'ai vu un EVAC, mais par contre, je suis incapable de le faire. Donc là, en termes de coût attentionnel, pour le gamin, ça va lui coûter très cher. Et c'est à nous aussi de s'adapter à ça, de lui donner du coup des focus sur tu dois te concentrer là-dessus, mettre ton attention là-dessus. Derrière, il réussit à maîtriser l'EVAC, donc je sais que je sais faire l'EVAC en termes de coût attentionnel. Et à force d'entraînement, dans vos contenus au fur et à mesure de l'année, votre objectif, ça doit être que ce coût attentionnel diminue pour qu'on arrive à la fin. Aujourd'hui, quand vous marchez, ça vous coûte 0 en termes de coût attentionnel. C'était un peu de théorie. Voilà. Quand je parle de stimulus qui peuvent nous décentrer aujourd'hui, là par exemple, votre téléphone qui est dans votre poche, moi-même, quand il parle d'Instagram, c'est vrai qu'il y a des fois où je marche et c'est comme si. J'étais attiré par mon téléphone.
Donc on a des distractions tout le temps. D'accord ? Aujourd'hui, chez les joueurs, le public est une distraction, même s'il n'y en a plus. Aujourd'hui, bah, peut-être que le gamin il s'entraîne, et nous, c'est tout l'intérêt du SAS, et c'est tout l'intérêt de mettre des choses en place autour de ça, c'est que bah, on peut basculer, il peut basculer le gamin sur à l'école, j'ai une mauvaise note, et il arrive avec la boule noire par exemple, enfin voilà, si je fais du lien avec la vidéo, c'est un peu ça, il arrive à l'entraînement avec ça. Le score, l'arbitre et les consignes du coach. Alors aujourd'hui, on est d'accord que notre objectif en tant qu'entraîneur, c'est de l'attention, de la poser sur la dernière image. Ouais. Nous, en tant qu'entraîneur, on attend ça. Okay. Et l'idée de mon intervention, c'est de vous donner des pistes pour que le gamin il soit plus sur cette dernière image que sur les quatre autres qui sont moins intéressantes. Donc notre objectif, leur offrir de la stabilité. Et je reviens sur ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est ce que je veux transmettre le plus aujourd'hui. De la même façon, notre objectif aussi pour nous coachs, parce que c'est aussi le lien de... On donne des billes pour les joueurs, mais si nous, on ne s'approprie pas les outils, ça ne peut pas se transmettre. Faire les changements pendant le match, les parents dans les tribunes, parce que ça, c'est une réalité, les consignes tactiques, le score, l'arbitre, et aussi nous, ce qu'on veut transmettre aux joueurs. Donc nous, aujourd'hui, on peut se poser la question, en termes, si on compte 100% d'attention, combien de pourcentage on passe sur gérer l'arbitre ? Est-ce qu'aujourd'hui je passe 20%, je donne 20% de mon attention à l'arbitre, ou est-ce que j'en donne 5, 30, il y en a c'est 50. Voilà. Est-ce que je me concentre sur les parents? Parce que ouais, c'est une réalité. Et encore une fois, ça s'entraîne. C'est un travail de se dire, ok, j'essaye d'être focus sur ce sur quoi j'ai du contrôle, c'est-à-dire mes joueurs et le contenu tactique, par exemple. Et c'est là où ça devient intéressant. Notre attention, elle fonctionne comme une abeille. Donc il faut imaginer. Vous imaginez la tension qui se déplace sur. Bah, là, vous vous déplacez sur mon diapo, là, je me déplace sur mon téléphone. Et entraîner l'abeille, c'est réussir à la maintenir le plus longtemps possible sur. Là, je suis sur mon lancer franc, et Steph Curry, il est au lancer franc, et c'est là où on arrive sur des outils de pleine conscience, de méditation, de travail autour de la respiration. 100% de son attention, alors, 100% de son attention, elle est censée, je ne sais pas, alors. Normalement, 100% de son attention, elle est sur le tir. Alors que derrière, il y a le score, il y a là peut-être qu'il s'est pris une faute, on lui a fait une faute de dingue juste avant. Et voilà, le travail de l'attention, c'est ça. C'est être capable, dans mon lancer franc, d'être à 100% sur ma gestuelle et ce sur quoi j'ai du contrôle, ce sur quoi j'ai envie d'avoir de la maîtrise. Quand je suis avec mon coach, et ben, je suis à 100% avec lui et j'intègre les consignes. Et je suis dans ma routine d'avant-match, là en bas à gauche. Là, je commence à rentrer dans mon match, je suis sur mon échauffement. Et c'est la capacité de l'abeille à se maintenir sur chaque action, qui sont différentes, et avec tout le contexte aujourd'hui. Ça, c'est une phrase que j'adore, mais avoir la volonté de coacher le présent et le futur. Et pareil, je suis assez jeune, donc j'ai pas 20 ans d'expérience. Mais je pense qu'au départ, j'étais beaucoup dans... Je commente l'action d'avant, je prends des temps morts où je parle que de ce qui s'est passé avant, et je te traite parce que tu viens de rater un truc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un non-sens pour moi alors que je l'ai fait. Mais c'est important de se dire, ok, c'est terminé. Et Pierre-Olivier Croizat, sur le BF, quand on a fait le séminaire, il est parti en Espagne il y a 15 jours, et il parlait des coachs espagnols, alors ils ne doivent pas tous être comme ça. Mais le coach espagnol, il harcelait les gamins en mode enchaîne, vas-y, allez, t'as raté l'action, on débriefera plus tard. Mais par contre, là, on est dans le présent et je coach le présent pour t'encourager à modifier peut-être ce que tu viens de vivre. Mais ça, c'est une démarche du joueur et d'enchaîner. Et maintenant, je crois que c'est le mot que je dis le plus quand j'entraîne, c'est enchaîne. Quand vous regardez des temps morts sur la LGP League, souvent, j'écoute et en fait, ils sont souvent dans le next play. Ils zappent. En fait, ils ne commentent pas du tout ce qui vient de se passer, mais par contre, ils gèrent la prochaine action. Pour retrouver de la confiance, si on réussit la prochaine action avec des choses simples, et ben on va reprendre de la confiance, et la confiance génère la confiance, etc. Voilà, ça c'est un véritable projet pédagogique, et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut, dans les clubs, installer avec nos équipes de coach. Parce que vous êtes là, mais il y a aussi plein de coachs derrière vous, pour qui vous êtes des référents. Et je pense que ça doit être...
dans notre PEDA, on doit être vigilant et en tout cas observer, avoir la volonté d'observer nos attitudes là-dessus, quand on coach notamment. Transmettre de la confiance, l'autonomie et responsabilisation. Donc quand le gamin, j'arrête de le saouler sur l'erreur qu'il vient de faire, on ne fait jamais une erreur volontaire. En tout cas, si vous avez des joueurs qui ne risquent pas de rater un truc, il faut aller plus loin dans la démarche avec eux, mais on ne fait jamais exprès. Par contre, on peut les accompagner dans pourquoi tu as raté, analyse ce qui vient de se passer. Moi, je t'accompagne dans cette analyse-là, mais c'est lui qui va être acteur de son erreur. Et notre gestion des émotions. Et ça, c'est pareil, ça va vous faire du. Enfin, je pense que ça fait du bien à chaque coup de se dire allez, j'essaye de me concentrer sur l'action d'après. Ça nous libère aussi de cette gestion des émotions. Alors, là, j'arrive dans. Alors, c'est très, de manière très humble, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, pour gérer l'attention des gamins, on doit être capable de fonctionner comme une recette. Donc là, je vais parler beaucoup des séances d'entraînement, pas trop des matchs, mais au final, c'est le même principe. J'ai un thème d'entraînement. Mon objectif pour gérer l'attention et pour permettre aux gamins de traverser l'entraînement de manière constructive et pour qu'ils sortent de l'entraînement avec des billes, l'idée c'est de détacher une tâche complexe en une étape simple. Benjamin, dans l'entraînement que vous allez voir après, son idée c'est de faire du lien entre chaque situation et que sur chaque situation, le gamin, il est. Alors je vais en parler après, mais je vais. Sur chaque situation, le gamin il va avoir un objectif clair et il va avoir des billes pour réaliser ça. Derrière, on bascule sur l'étape 2 et tu gardes ce que tu viens de faire avant et on rajoute un truc. Voilà. C'est de construire comme une recette de cuisine, c'est de prendre des ingrédients sur l'échauffement, de prendre des ingrédients sur ta situation 1, de prendre des ingrédients sur ta situation 2, pour qu'à la fin, tu sors de l'entraînement avec un truc. Et le fait d'être focus sur des petites tâches, ça va permettre au gamin d'apprendre beaucoup mieux et d'avoir son attention précise. Et vous, et nous, dans notre PEDA, d'être focus aussi sur cette petite tâche précise qui va faire que on va laisser, si le travail c'est le départ en dribble, et ben je m'en fiche de ton lay-up que tu jettes contre la planche. Ça va vous libérer aussi de cette pression de tout contrôler dans la séance et d'être focus sur ce moment-là. Et si le gamin il est bon sur cette situation-là, et ben vous aurez gagné et il aura compris. Et la semaine prochaine, on travaillera sur ta finition qui était pourrie. Et donc, je serai focus là. Et là, par contre, ça sera là où il sera acteur de son truc. Si le gamin il ne remet pas en place ce que vous travaillez la semaine d'avant, ben, à un moment donné, il faut débriefer avec lui, mais c'est aussi son projet. Donc, l'attention, aujourd'hui, elle fonctionne comme ça. Vos joueurs, il va être capable d'être concentré. En fait, là, je vais vous donner la différence entre l'attention et la concentration, c'est que la concentration, ça implique une action. Donc, en fait, c'est très semblable, l'attention et la concentration. Mais ça, la seule différence, c'est que la concentration, ça implique une action. Okay? Donc, le gamin va être capable d'être concentré s'il a une intention claire, unique et à court terme. Donc, un objectif clair, unique et à court terme. Donc, quand on se dit ça, à partir du moment où on se dit qu'il a besoin d'une intention claire et unique, aujourd'hui, il faut que dans notre construction de séance, eh ben, on soit capable d'avoir cette intention claire qui est définie sur chaque situation. Je ne vous dis pas, et je sais très bien, et même moi, je ne prépare pas toujours tous mes entraînements avec tous les détails. Par contre, ces intentions claires, elles doivent exister sur chaque séquence. Donc, développer la capacité à focaliser son attention sur une intention claire, mettre sa pédagogie au service des attention, donner du sens, je passe vite sur. Et voilà, transmettre le message aux joueurs. Et donc, à partir du moment où vous avez compris là où vous allez, il faut réussir à transmettre le message. Et donc, quand on s'entraîne deux fois par semaine et je comprends le truc, bah, par exemple, bah, nous au pôle, les gamins, ils arrivent, ils ont le programme de l'entraînement. Pourquoi, dans votre club, on ne pourrait pas imaginer, un quart d'heure avant, quand j'arrive à la salle, un quart d'heure avant, je mets ma feuille d'entraînement, je ne sais pas, je fais un truc de propre et je l'affiche. Les gamins rentrent dans la salle, ils connaissent le thème de la séance, ils savent ce qu'on va y mettre. Je sais pas, ça peut être une idée, mais dans cette idée de créativité et de surprendre aussi nos joueurs, de les accompagner là-dedans, c'est un truc qui prend 3 minutes, je l'affiche, et après on a un travail à faire avec les gamins sur bah, maintenant vous savez ce qu'on va travailler à l'entraînement, comment vous préparez, et voilà, en termes d'attention avant l'entraînement, par exemple, ça peut être des choses intéressantes à mettre en place. Sauf que j'ai assez d'argent. Donc, j'ai noté les objectifs, attention, je vais passer là-dessus.
Alors, ça c'est un truc génial. Ça c'est ce qui se développe sur, dans le programme Atoll, Jean-Philippe Lachaud, c'est un truc qui se développe dans le milieu scolaire. L'équilibre attentionnel, donc toujours cette capacité à maintenir sa concentration, son attention sur un outil, sur une intention, il utilise l'image de la poutre. D'accord ? Donc, en fonction. Ça c'est pareil, je vous donne des pistes, vous les explorez, c'est génial, ça serait extraordinaire même si vous le mettez en place, mais aujourd'hui dans les écoles, ils travaillent là-dessus. Ils travaillent sur, aujourd'hui on va faire une tâche, est-ce que c'est une tâche difficile? Si c'est une tâche pas difficile du tout, la poutre elle va être très large, donc en termes de concentration ça va être facile, et je peux me déconcentrer un peu, c'est pas très grave. Est-ce que c'est dangereux? D'accord. Donc est-ce que si je me déconcentre, j'ai un risque? Oui, non. En fonction de ça, la poutre elle est plutôt basse. Est-ce que ça va me demander un long temps de concentration? Si c'est une heure de concentration, ben la poutre elle est claire, etc. Donc de jouer avec cette image-là, pour que, et c'est là où j'essaye de transférer c'est mon idée sur le pôle, là, sur la séquence, sur la période à venir, mais c'est dans l'entraînement, d'utiliser cette image pour que cette situation-là d'entraînement, elle va être hyper importante. Et là, c'est le moment de l'entraînement qui va être le plus important. Et sur cette consigne-là de l'entraînement, il va falloir être hyper focus. D'accord ? Et peut-être que sur un travail d'adresse, aujourd'hui, on est dans la répétition. Et donc, à ce moment-là, en termes de coût attentionnel, ça va être plutôt tranquille. Et les gamins naviguent là-dedans et ont des repères sur « Ok, là, je suis très concentré. » Et à force d'entraînement, et encore une fois, ça se travaille, c'est ce travail-là qui va permettre, lors des matchs, par exemple, aux gamins de se dire « Ok, il y a un temps mort. » Et bien, ok, je bascule dans mon temps mort et je plonge complètement dans mon temps mort. Voilà. Et encore une fois, je répète tout le temps, mais ça s'entraîne. Toujours dans ce programme Atoll, il parle de perception, intention, manière d'agir. En fait, à partir du moment où le gamin, donc il parle de perception, intention, manière d'agir, il utilise pouce, index, majeur pour avoir un repère. En gros, avec les gamins, ils travaillent là-dessus. Et à partir de ces trois choses-là, le gamin peut être concentré. Si un gamin a la perception, l'intention, la manière d'agir, il sera dans votre entraînement et il va s'impliquer dans votre entraînement. Et on pourra dire qu'il est concentré. Okay ? Donc la perception, ça va être le thème. Je vous ai donné un exemple, on peut relier la perception au thème. Aujourd'hui, je travaille maintenant. Mon objectif, c'est de franchir grâce au changement de vie de mon entrée, par exemple. Et derrière, vous donner des pistes sur comment. Et ça, c'est dans notre PEDA, on va construire. En tout cas, l'idée, c'est de construire les choses là-dessus. Et Benjamin, sur la séquence suivante, en salle, travaillera autour de ça aussi. Donc l'idée, c'est que dans chaque situation, les gamins aient cette perception, l'intention, la manière d'agir. Et c'est seulement à partir de ça que le gamin qui est né en 2005 va être capable d'être concentré. S'il n'a pas ça, il sera distrait, etc. Alors on pourra dire, attends, lui, il fait chier. Mais on peut aussi se dire, je vais trouver des solutions pour peut-être qu'il manque d'une info pour être concentré. Alors, ouais, voilà, je termine là-dessus. Le fameux concentre-toi, on doit aller plus loin là-dessus. Et quand je vous présente tout ça, honnêtement, nous, sur le pôle, on est en mode laboratoire. Donc, on en est encore en phase de test. Enfin, en phase de test. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire ça permet à un gamin d'être très très fort 5 ans plus tard. Par contre, on est convaincu du truc et je pense que le BF va là-dedans et des marchés pédagogiques tendent vers ça. Et quand on maintient actuellement son attention sur la tête de la séance avec un objectif précis et clair, on est totalement concentré. Je pense qu'on est convaincu de ça et qu'il faut se détacher un peu de ce concentre-toi. Je parle des joueurs, je parle aussi de nous dans notre approche de la séance. Avoir un objectif dans notre séance quand on arrive à l'entraînement, etc. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, moi, quand j'interviens comme ça, c'est de. J'aimerais bien trouver des gens qui accrochent et qu'on expérimente ensemble. Je rêve d'un jour où j'interviens et puis derrière j'ai 4 coachs et pendant l'année on s'appelle tous les 15 jours ou je sais pas, peu importe avec la forme, et de se dire j'ai testé ça, ça a pris, ils ont accroché à l'idée de la pousse, et puis que nous au pôle, on teste un autre truc parce que vous avez une autre idée, etc. Enfin, moi c'est mon rêve d'intervenir et d'avoir derrière des retours comme ça plus que de dire. Je connais le contexte aussi qui nous amène aujourd'hui. En tout cas, nous, on est convaincus, on est passionnés. J'espère vous avoir intéressé et vous avoir donné des pistes. Voilà, merci beaucoup.